Eh bien bonjour et bienvenue sur cette vidéo de formation niveau 2 de solo. Et niveau 2 de solo égale niveau 1 d'access, puisqu'on va plonger un petit peu dans la partie immergée de l'iceberg solo avec donc l'outil de base de données de Microsoft, à savoir Access. Et je vais vous expliquer les rudiments, donc ce qu'il faut absolument savoir quand même, le béaba du fonctionnement et de l'architecture d'une base de données Access. Donc je vais créer une base de données vide, tout simplement, que je vais appeler n'importe quoi, test, peu importe. Alors le format Microsoft Database, c'est l'ancien, ça c'était jusqu'à 2003, et après c'est devenu ACCDB, Access Database. Ça ne change pas grand-chose pour notre démonstration, voire même rien du tout. Alors, toute base de données Access se compose en fait de 5 éléments, des tables, des fichiers, on appelait ça à l'époque, ce qui contient les données, des formulaires, c'est-à-dire des masques de saisie ou de consultation, des états, c'est-à-dire tout ce qui va sortir à l'impression, des macros, on ne les abordera pas ici parce que je ne suis pas vraiment un pro macro, et des modules qui sont des bouts de code que l'on peut vraiment, là cette fois-ci, en Visual Basic for Application, VBA, on peut développer n'importe quoi. Donc on va prendre un cas très simple, là je suis donc sur les objets, on le voit, type d'objet, on va avoir donc des tables, ah puis j'oubliais, pardon, excusez-moi, des requêtes bien évidemment, c'est-à-dire la possibilité d'interroger nos données. Donc on va illustrer très rapidement comment on crée une table, comment on crée une requête, comment on crée un formulaire, un état, et puis là on le voit pas, il y a les modules en plus qui sont donc tous les bouts de code vraiment en Visual Basic. Alors déjà, il faut savoir un truc, c'est que quand je lance Access, il y a deux façons de présenter les choses. Soit en onglet comme ça, c'est-à-dire que chaque élément de Access va être présenté en onglet. Ce n'est pas ma présentation favorite, moi je préfère, quand on passe dans Options, ici, Options et Base de données active, non pas mettre en document onglet, mais en fenêtre superposée. Solo est totalement développé en fenêtre superposée, ce n'est absolument pas en onglet, donc je vais mettre OK. Il faut absolument rouvrir la base de données. Donc je vais la fermer et la rouvrir. Et donc vous voyez, on voit plus l'onglet là. Et donc on a nos objets ici. Et je vais créer la première chose, une table. Donc on passe par le bouton créer. Et ici, il y a des assistants à la création. Moi, je vais créer une table sans assistant. Création de table directement sur l'équerre ici. Pour créer une table, par exemple, imaginons client. Donc maintenant, on va définir quels sont les champs qu'on va, les différentes zones, si vous voulez, qu'on va avoir besoin de définir dans notre fiche client. Alors, ça va être, par exemple, évidemment, le nom de la société. Alors, on a le nom du champ. Ici, le type de données, ça peut être du texte long, c'est-à-dire un champ mémo à longueur infinie. Un champ numérique, de toutes sortes, ça peut être de l'entier, du réel, date et heure, monétaire. Numéro automatique, on le verra, c'est pour créer des clés primaires. C'est un numéro qui s'auto-alimente, qui s'auto-numérote. Une case booléenne, on appelle ça oui ou non. Un objet OLE, on ne les verra pas ici. Et éventuellement un lien hypertexte, un lien vers un document externe à la base de données. PDF, de document Word, document Excel, voire même site internet, etc. Donc le nom d'une société, par définition, c'est un texte court. Et ici, un texte court ne peut pas dépasser 255 caractères. Au-delà, c'est un texte long, c'est-à-dire un champ mémo. Bon, il est très clair que, alors fut un temps, il y a de ça 20 ans, vous n'étiez peut-être pas né, si vous écoutez cette vidéo, vous êtes peut-être jeune, et il y a 20 ans, il fallait qu'on détermine au millimètre près et au digit près la taille de nos champs, parce que plus les champs étaient prévus être longs, plus ils prenaient de place. Aujourd'hui, évidemment, avec nos nouvelles technos, nos disques durs qui font des teradoctets, on se soucie beaucoup moins de ce genre de choses. Ceci dit, un nom de société, ça dépassera rarement 100 caractères ou 60, allez, 60 caractères. Ça veut dire que je ne pourrais pas saisir plus de 60 caractères dans ce champ, tout simplement. Alors, il y a quelques options, je ne vais pas tout détailler ici, mais il y a le format, le masque de saisie, la légende qui apparaîtrait en haut de la colonne. Il y a quelques éléments de validation, comme par exemple, est-ce qu'on peut autoriser une chaîne vide ou pas? Est-ce que le nul est interdit? Je peux très bien mettre oui. Voilà. Et quand je vais définir un client, je vais avoir aussi, par exemple, le nom de la personne. Ou du dirigeant, nom du dirigeant. Et puis on va mettre prénom du dirigeant, c'est du texte aussi, on est d'accord.
On va mettre adresse. Adresse, pour le coup, c'est un champ qu'on peut rendre long. Code postal. Là, ça va être plutôt un champ numérique. Ville. Champ texte. Et puis, si on veut un autre champ numérique, je ne sais pas, moi, chiffre d'affaires. Numérique. Si on veut un champ date connu le. Champ date. Connu le. Voilà. Et puis un champ booléen, ça peut être, je ne sais pas moi, résident, français ou pas. Oui, non. Voilà. Alors, il est d'usage d'avoir un, ce qu'on appelle une clé primaire, c'est-à-dire un de ces champs-là qui serait unique, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir d'homonyme dans notre table. Donc, c'est là qu'on peut très bien mettre un numéro auto-alimenté, comme il nous le proposait tout à l'heure, ici, le champ numéro auto, et l'appeler code, par exemple. Et c'est Access qui va s'occuper de auto-numéroter ce code. Alors, quand je suis en création ici, sous Access, comme sur tout Office d'ailleurs, si je veux laisser le volet ouvert, je double-clique dessus et ça le fige. Et c'est là qu'on va pouvoir dire ici qu'il s'agit d'une clé primaire. Ça met la petite clé, on clique là-haut sur clé primaire. Ça, parce que quand je vais fermer ma table, de toute façon, Access va vouloir, enfin aimerait que je mette une clé primaire. C'est-à-dire donc un des champs qui soit complètement unique. Je ferme, double-clic, oui, j'enregistre. Il me demande le nom de ma table, ça va être client. Et maintenant, je peux ouvrir ma table, double-clic, et voilà, je peux continuer, commencer à saisir les différents enregistrements. Là, je suis dans un champ numérique, on l'a vu. Si je mets des lettres, il ne va pas vouloir. Donc, c'est lui qui me force à mettre des chiffres. Ville. Connu-le. Là, c'est pareil. Si je mets une date qui n'existe pas, il va me jeter. Il va vouloir une date. Et sur tous les contrôles de la date, d'ailleurs, il me propose même un petit calendrier. Résident, oui. Et là, toujours sur, mais ça c'est vrai sur Solo, donc c'est vrai sur Access, bien évidemment, on a le petit crayon qui permet de valider cet enregistrement. Alors là, on voit qu'on peut saisir complètement tous nos enregistrements dans la table, mais il serait évidemment plus sympa d'avoir un formulaire, justement, quelque chose qui nous permette de présenter ça de façon un peu plus sympathique. Et c'est là qu'on va passer donc dans la deuxième partie, qui est la création d'un formulaire. De la même façon, je vais dans créer, créer un formulaire, et ici je tombe sur un formulaire complètement vierge. J'aurais pu très bien prendre l'assistant et il m'aurait créé un formulaire de toutes pièces à partir de cette table. Je préfère partir d'un formulaire complètement vierge. Et ici, en haut à gauche, le petit carré, je double-clique dessus et j'ai sur le côté droit ce qu'on appelle la feuille de propriété. Et là, il y a énormément de choses qui nous permettent de définir la façon dont fonctionne notre formulaire, les couleurs de notre formulaire, qu'est-ce qui va se passer quand j'ouvre le formulaire, quand je le referme, quand je le modifie, etc. Donc en fait, c'est classé par type, il y a le format, ça va être la taille, est-ce que je veux l'auto-centrer par exemple, on peut s'amuser à ça. Auto-centrer, c'est quelque part là-dedans. Excusez-moi, les propriétés du formulaire sont en haut à gauche. Les propriétés de la section détail, de ce qu'on veut mettre dedans, c'est quand je clique dessus. Donc si je reste sur le formulaire, je voulais le mettre auto-centré, c'est là. Je peux double-cliquer pour changer la valeur ou pour aller se déroulante. Voilà, je l'ai mis en auto-centré. Un formulaire, soit c'est un formulaire sur lequel j'ai juste des boutons qui vont me lancer des traitements, soit, et c'est ce qu'on veut faire là, il lui faut une source. C'est-à-dire, quelle est la source de mon formulaire? Quels sont les enregistrements que je veux voir figurer sur mon formulaire? Et donc, le premier élément que j'ai dans données, là-haut, c'est évidemment la source. Et là, je peux très bien choisir ma table directement client. Et quand je vais être ici en mode création, je vais avoir la possibilité ici d'ajouter des champs existants. Comme il a reconnu que la source de mon formulaire, c'était client, il me propose les champs que j'ai définis dans ma fiche, dans ma table client. Et donc, je peux les prendre tous d'un coup, les porter ici. Il va me mettre les intitulés ici. C'était les fameuses légendes que j'aurais pu changer tout à l'heure. Et puis là, les différents champs. Et il arrive même à me formater déjà correctement
ma case à cocher, puisque c'était, on s'en souvient, un champ booléen oui non, donc il l'a remplacé par une case à cocher, ça sera oui ou ça sera non. Et là, de la même façon que tout à l'heure, je vais ou le fermer, il va me demander le nom, ou mettre un petit coup de disquette ici, et lui donner un nom. Je l'appelle client, puisque c'est là qu'on va saisir nos clients. Et clic droit sur la barre, ici, je peux passer du mode création au mode formulaire. Donc là, je suis en mode création pour modifier mon formulaire. Et là, mode formulaire, et j'arrive sur le formulaire. Et là, cette fois-ci, je retombe toujours sur la première fiche. Et pour créer une nouvelle fiche, j'ai ce bouton qui a automatiquement été mis. Ça va me mettre nom de la société, on va prendre un autre société. Je ne sais pas du tout comment s'appelle le nom du patron de la SNCF. Donc, on va l'appeler Jean. Voilà. Et là, code postal. Alors, non, c'est pas le 13, c'est 75, je sais pas quoi, on s'en fiche. C'est à quelques millions. Connu le. Par exemple. On retrouve ici, puisque je suis sur un champ date, le petit widget qui nous permet de choisir une date. Et le petit crayon ici qui me permet de valider. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que j'ai deux fiches. Que j'y accède comme ça, comme un peu sur un magnétophone. Et que si je retourne sur ma table, j'ouvre ma table, j'ai deux fiches qui correspondent à la source de mon formulaire. Je repasse en mode création parce que l'idée d'avoir un formulaire va me permettre de justement formater un peu les champs pour que ce soit plus sympa à saisir, plus joli à saisir. Et donc, par exemple, ici, quand je suis en mode création, c'est où c'est format, pardon, je vais pouvoir mettre ça en gras et en rouge. Clic droit, mode formulaire. Et voilà mon formulaire qui a une autre tête. Et je peux comme ça organiser complètement la saisie. Je peux prendre plusieurs contrôles, les bouger, les mettre ici. Voilà un autre formulaire. Et je peux donc choisir, par exemple, sur mon détail, dans format, griser par exemple le fond. C'est pas très joli, on va le mettre plus. Voilà. Je peux prendre mes contrôles, mes étiquettes, on appelle ça. En fait, chaque type de contrôle porte un nom un peu particulier. Ça, c'est une étiquette et ça, c'est ce qu'on appelle une zone de texte. Pourquoi une zone de texte? Parce que si je double-clique, comme je l'ai fait tout à l'heure, double-clique, ça m'ouvre ma feuille de propriété, ici sur le côté droit, qui correspond à la totalité de mon formulaire. Mais je peux très bien aller ici, dans le champ qui s'appelle « Nom de la société », et j'ai plein de propriétés également, qui vont permettre de gérer la taille, la couleur, qu'est-ce que j'ai le droit de saisir dedans, qu'est-ce que j'ai pas le droit de saisir dedans, éventuellement qu'est-ce qui se passe quand j'ai les événements, qu'est-ce qui se passe quand j'ai mis à jour ces champs, après avoir mis à jour, si je le modifie, si je ne le modifie pas, quand ma souris arrive dessus, quand ma souris part de ce champ. Donc j'ai plein de... Et comme par exemple dans Autres, j'ai un truc sympa qui est l'infobulle quelque part. La texte barre d'état, c'est ce qu'il va y avoir écrit en bas. On le voit, la message à afficher dans la barre lorsque le contrôle est activé. Donc, par exemple, barre d'état, ça va être renseigner la raison sociale de l'entreprise. Et puis, il y a aussi ici, quelque part, l'infobulle. Elle est où l'infobulle? Là, ici. Donner le nom de l'entreprise. Je repasse en mode formulaire. Et quand je vais survoler le champ, il doit y avoir l'infobulle, voilà, donner le nom de l'entreprise. Et quand je clique dedans, en dessous, il y a marqué renseigner la raison. Bon, je me suis un peu trompé, je fais des fautes de frappe. Renseigner, ça c'est ce qu'on appelle la barre d'état. Et il y a plein de propriétés comme ça. Je vous laisse les fouiller. Qui concerne le format. Ici, évidemment, quand je suis dans format, je pourrais très bien mettre un contour plus gros, un contour en rouge, un remplissage en bleu clair. Voilà, tout ça, c'est ce qui concerne le format de mon champ. Alors, on n'appelle pas ça un champ dans Access, on appelle ça un contrôle. En fait, on est du développement un peu objet, et ça s'appelle un contrôle. Ce contrôle est de type texte, c'est-à-dire, là, il y a tous les types de contrôles qui sont ici, en haut, sur la barre d'outils. Donc ça, c'est une zone de texte. On va avoir les étiquettes, ça, c'est une étiquette. On va avoir des boutons. Donc, je vais pouvoir faire un bouton, par exemple, pour ouvrir ou pour fermer mon formulaire, par exemple. Ou imaginons que je veuille faire un bouton qui me permettent de créer. Si par exemple ça,
j'ai pas envie de le donner à mon utilisateur en bas, et j'ai envie d'avoir un bouton créer, eh bien, clic droit, propriétés, enfin mode création. Je vais aller sur les propriétés de mon formulaire et quelque part dans format, je vais avoir ici bouton de déplacement. Ils sont ici. Les boutons de déplacement, c'est le 1 ou 2 qu'on avait. Si je mets non, je repasse. Vous voyez, j'ai plus de bouton de déplacement. Donc, je ne peux plus créer là à ce moment-là. Alors, bien sûr, il y a toujours des menus en haut, des barres qui me permettraient de le faire. Mais imaginons que j'ai envie de faire un bouton nouvel enregistrement. Je vais prendre ce bouton, ce contrôle. Je vais tracer mon bouton tout simplement sur mon formulaire. Et là, je vais laisser Access me guider. Là, je vais faire une opération sur enregistrement. C'est non, c'est déplacement entre enregistrement. Opération sur formulaire, je cherche. C'est nouveau que je cherche. Non, c'est celui-là. Ajouter un nouvel enregistrement. J'étais dessus. Opération sur enregistrement. Ajouter un nouvel enregistrement. Suivant. Ici, je peux très bien avoir un bouton. Atteindre nouveau. C'est ce qu'il a mis là. C'est pas très joli. Je peux d'ailleurs afficher toutes les images et voir ce qu'il a d'autre comme à me proposer. Comme. Icône, on va dire. Vous pouvez aussi aller chercher une image sur votre disque dur en point .bmp, point bitmap, et puis vous pouvez mettre du texte. Donc je vais mettre nouveau par exemple. Là, il me donne un nom, on en reparlera. Vous pouvez le laisser, par défaut, il vous trouve un nom qui est le nom en fait du module, du bout de code qu'il va y avoir derrière. Alors je vais l'appeler nouveau pour qu'on aille le voir tout à l'heure. C'est pas du tout obligatoire, vous faites terminer. Et là, ça y est, vous avez un bouton nouveau. Et Access est occupé de tout. Si je fais nouveau, eh bien, je suis déjà dans un nouvel enregistrement. Et maintenant, on va mettre voilà, une autre société. Je valide avec mon petit crayon. Et donc, si je vais sur ma table, j'ai donc bien maintenant trois enregistrements. D'accord? Mais j'ai plus rien pour me balader. Donc, on pourrait très bien aussi, si on a envie de recosmétiser complètement nos formulaires, créer un bouton suivant, créer un bouton précédent. Le parti que j'ai pris, et là je fais tout de suite une aparté avec Solo, c'est de, autant que faire se peut, ne jamais créer des fonctions que Access nous propose en standard. Donc vous ne trouverez jamais un bouton nouveau dans Solo, ni un bouton suivant, ni un bouton précédent. Et pour cause, il suffit dans le paramètre de notre formulaire, on l'a vu tout à l'heure, de rafficher les boutons de déplacement. Et j'ai plus besoin de mon bouton nouveau puisque je l'ai en dessous. Tout est déjà fait, premier, dernier, ça me compte mes enregistrements. Donc je vois pas l'intérêt de refaire des boutons qui prennent du temps, qui prennent de la place, qui sont moins ergonomiques. Donc en plus que là, il y a en plus chercher. Donc si je cherche SNCF, tout est déjà prévu ici pour chercher dans ma base. Donc je vois pas l'intérêt, moi personnellement, je trouve Access qui est un produit extraordinaire. Donc j'ai laissé tout ce qui était bon dans Access, je l'ai laissé sans avoir à le redévelopper évidemment pour Solo proprement dit. Ça, c'était une parenthèse très très importante. Alors, il me faudrait des heures hein, pour rentrer dans le détail de ce qu'on peut faire et du type de propriétés qui existent pour chaque contrôle. Par exemple, tout bête, hein, ici on voit, il n'y a pas la séparateur tous les 1000, il n'y a pas les virgules. Donc ça, c'est le genre de choses que vous allez avoir sur un champ texte, sur un champ numérique, pardon, ici dans Format. Vous avez plein de formats différents, donc on peut prendre euros, fixes, etc. Moi, je prends souvent standard, qui va me mettre deux décimales et la séparation tous les 1000. Voilà. Donc, vous pouvez absolument tout changer en termes de format, en termes d'alignement. Donc, dans format, vous avez déjà pas mal de choses ici pour les polices, pour les fonds, pour la tête qu'ont vos contrôles. Et puis, toujours aller dans la feuille de propriété. Alors, elle s'efface. Si je veux la remettre, double-clic dessus ou clic droit, feuille de propriété. Et alors, il y a même la possibilité ici de faire clic droit, mise à jour, comment non, mise en forme conditionnelle. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais ça vous permet, pourquoi pas, de le mettre en gras ou de le mettre dans une autre couleur si une condition est respectée dans le formulaire sur lequel je me trouve. Typiquement, je sais pas moi, numéro, tiens, si je fais, on va avoir nouvelle règle, valeur du champ supérieure à 1 million par exemple. Alors je le passe en, il faudrait que je le dise, en gras rouge. Ok. Et vous allez voir, le champ va changer. Là, il est en gras rouge. Et là, il est en noir. Et s'il est à 1 200 000, il va passer en rouge automatiquement. Voilà.
C'est ce qu'on appelle donc du mise. Alors je sais plus le terme. On se met dessus, clic droit, mise en forme conditionnelle. Et vous pouvez ajouter comme ça des conditions, des différentes règles qui vont formater vos différents contrôles. Un formulaire peut se présenter sous forme ici de fiche. Et puis quelquefois, on aime faire des formulaires qui se présentent sous forme de liste. Alors, je vais faire un copier-coller de ce formulaire. Je retourne ici. Alors, on peut tout afficher. Il suffit de mettre tous les objets. Comme ça, j'ai tout. Copier-coller. Et je vais lui donner un autre nom de formulaire client liste, par exemple. Clic droit, mode création. Et là, je vais passer sur, au niveau du format de mon formulaire, en formulaire continu. Ça, ça veut dire quoi? Vous allez voir tout de suite. C'est que là, voilà, j'ai des enregistrements les uns au-dessus des autres. Alors évidemment, on a tendance plutôt à les présenter autrement. C'est-à-dire qu'on fait sauter toutes les étiquettes et on va se les mettre comme ça. Ça, je peux le faire sauter, on a dit qu'on n'en a pas besoin. Alors, je vais vous faire une chose. Quand je veux aligner ça, je peux faire ça, 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 ça. Je prends tout, clic droit, et là j'ai plein de trucs qui me permettent par exemple d'aligner en haut. Ça les aligne. Clic droit, aligner à gauche. Ça les met sur le côté gauche. Et je vais les mettre directement là-bas. Je referme. Je passe en mode formulaire. Et là, voilà, j'ai la possibilité de saisir. Là, je trahis mon âge. Ça ne s'appelle plus comme ça. C'est pas grave. Là, je saisis directement en ligne, directement mes différents enregistrements. Donc, ce sont deux modes de saisie différents dans mon formulaire. Un en mode continu, c'est celui-là, où tous mes enregistrements sont présentés et petit à petit, j'aurai une barre verticale qui me permettra de descendre dans mes enregistrements. Soit en mode, alors comment il appelle l'autre mode? Voyons. Mode unique. Voilà. Il y a même la possibilité d'avoir des formulaires croisés. Et puis, si, on peut toujours aussi mode feuille de données. Feuille de données, c'est où? Pourquoi je ne l'ai pas? Mode feuille de données. Où là, on se retrouve davantage, comme sur Excel, par exemple, avec même la possibilité ici de faire disparaître des colonnes, s'il veut bien. Clic droit, masquer les champs. Même la possibilité, pourquoi pas, de figer les champs, un peu comme sur Excel. Vous voyez, ça fige la première colonne. L'avantage de ça par rapport à la table, toute bête, c'est que je vais pouvoir faire des conditions, des mises en format différent. Je vais pouvoir quand même travailler sur mes contrôles. A contrario de là, la table, où là, je ne peux pas du tout changer les polices, changer et puis actionner tel ou tel truc. Quand je dis actionner tel ou tel truc, c'est que très rapidement, quand on fait du dev, et là, on passerait là très rapidement le niveau 1 au niveau 2, enfin plutôt du niveau 2 au niveau 3, c'est-à-dire du niveau initiation access au niveau perfectionnement. Imaginons que je veuille faire quelque chose lorsque mon CA dépasse 10 millions. Du style, êtes-vous sûr que votre chiffre d'affaires dépasse 10 millions? Que je veuille mettre, par exemple, un message. Et bien dans ce cas-là, je vais être obligé de faire un bout de code. Donc imaginons qu'ici, CA, dans événements, je vais dire après mise à jour. Donc j'ai plein, de, encore une fois, d'événements qui peuvent être déclenchés en fonction de ce que je fais sur mon logiciel. Et je vais faire un bout de code. Alors, certains aimeraient faire les macros, je ne vais pas passer par les macros parce que je trouve ça dommage d'aller sur les macros quand on connaît un peu le code. Et le code, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vous invite vraiment à vous intéresser au code, au VBA. Allons-y, on va essayer. Là, je fais code, donc trois petits points et je prends tout de suite générateur de code. Et je tombe sur directement le visuel basique. Alors, on retrouve tout à l'heure notre bouton nouveau puisque j'ai supprimé le bouton et ça n'a pas supprimé le bout de code qu'il y avait en face et qui était juste cette fonction en fait. Do commande, go to record, aller à l'enregistrement, à senior rec, c'est-à-dire un nouvel enregistrement. Je peux le virer parce que j'ai viré le bouton. Et ici, entre mon private sub, c'est-à-dire le début de la fonction et la fin, je vais marquer un petit message. MSG box, espace, êtes-vous sûr que blablabla. Et là, j'ai des options avec le bouton que je vais mettre. Alors, par exemple, OK, non. Alors, on va faire OK,
only ou OK cancel. Je peux faire OK ou je peux faire cancel. Je dois même avoir un yes no. Voilà, yes or no. Je fais entrer. Là, je n'ai pas mis de condition. Ça va me le faire dès que je vais sortir de mon contrôle. Là, je vais faire 5 millions. Et il me pose la question. D'accord ? Donc, il me pose la question, même si ça fait 2 euros, il me pose la question. Pourquoi ? Je n'ai pas fait de condition. Si je voulais mettre une condition, clic droit, mode création, je retourne dans mon bout de code. Et là, on va mettre une autre fonction. If, si le champ sur lequel je me trouve, qui s'appelle CA, est supérieur à 1 million, par exemple, alors on va mettre le message. Donc là, j'ai fait une condition. Là, j'ai fait votre premier bout de code. Là, si mon CA est supérieur à... Alors, j'ai mis 1 million ou pas ? Oui, j'ai mis 1 million. Êtes-vous sûr ? Fin. Bon, il ne se passera rien si vous répondez oui ou non, parce que je n'ai pas dit ce que je voulais faire en cas d'un oui ou en cas d'un non. Mais là, si je fais 500, il ne se passe rien. Alors que si je fais 1 200 000, il me pose la question. Voilà un premier bout de code. Alors évidemment, ça c'est sans fin. On ne va pas rentrer non plus sur ce niveau-là. Mais c'est juste pour vous expliquer que fabriquer des formulaires, c'est très, très simple finalement. Ils sont toujours source d'une table. On va voir tout de suite que ce n'est pas toujours le cas, parce que je peux très bien avoir un champ calculé qui ne provient pas de ma table. Ça, c'est mon CA. Il peut être par exemple hors taxe. Je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et je vais mettre plus bas CA TTC. Et je vais multiplier sur mon formulaire ça par 1.20 pour me donner ça. Donc je vais dans ce truc-là. Et la chose la plus importante quand on est dans un contrôle, c'est de donner sa source. La source, là, c'est l'un des champs, parce que j'ai fait un copier-coller, l'un des champs de ma table client. Or, moi, je voudrais que la source soit égale CA multiplié par 1.20. CA, il le connaît, puisque c'est le champ CA qui contient CA. Je fais entrer. D'accord ? Et ça, ça sera toujours égal automatiquement. Je m'explique. Voilà. Là, quel que soit ce que je mets ici, dès que je valide, ou même dès que je sors d'ailleurs, dès que je sors du champ, il me recalcule ça. Pourquoi ? Parce que la source de ça est une formule de calcul qui provient, si vous voulez, des autres champs. Et ça, c'est très important parce qu'on s'en sert énormément également dans Access, dans une base de données, pour afficher quel élément qu'on soit. Alors, ça pourrait être des champs, enfin, l'affichage pourrait être très, très varié en fonction de, des informations. Je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple ? Ben, par exemple, si vous voulez connaître depuis combien de jours on a connu le client, je peux très bien faire connu depuis. Et là, je vais mettre source, je vais mettre égal la date d'aujourd'hui moins connu le. Alors, les champs, il est d'usage, les noms de champs, de les mettre entre crochets. D'accord ? Donc, date moins connu le, c'est-à-dire la date du jour. Là, c'est moins 1, pourquoi ? Mais parce que j'ai mis le 28 et qu'on est le 27 aujourd'hui, voilà, tout simplement. On est le 27-11 quand je fais cette vidéo, donc si je mets le 1-11, voilà, tout de suite, il met 26 jours. Et si je mets le 1-1-2000, ben, il me calcule le nombre de jours qui me séparent de 2000 à aujourd'hui, tout simplement. Enfin non, c'est-à-dire de 2000 à aujourd'hui. Ok ? Donc, des champs qui proviennent de la table, soit des champs que je calcule et qui me permettent d'afficher des choses et des machins sur mon formulaire. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais entre ça d'un côté et ça de l'autre, je ne suis pas très très loin quand même de ce que je pourrais faire avec un Excel par exemple. Alors, pourquoi on va se mettre sur une base de données ? Déjà, chose importante, c'est que si j'avais ici 100 000 enregistrements de clients différents, la seule chose qui est en mémoire, c'est la fiche sur laquelle je me trouve. Donc, ça veut dire que vous pouvez travailler des heures sans sauvegarder, il n'y a pas de sauvegarde quand on travaille. Le fait de valider avec le petit crayon là, eh bien, ça enregistre automatiquement dans la base de données. Il peut y avoir une coupure de courant. Vous ne perdrez absolument aucune saisie précédente. Ça, c'est déjà le bon point par rapport à Excel où je suis en mémoire. Tout est en mémoire. Je travaille une heure sur le même tableau sans faire de sauvegarde. Je peux tout perdre. Mais ce n'est évidemment pas ça du tout la plus grande valeur ajoutée. On va le voir tout de suite quand on commence à avoir plusieurs tables. Imaginons maintenant que je veuille suivre mes rendez-vous faits par client. Donc, je vais créer rapidement une nouvelle table. Allons-y, création. Ah non, pardon, je me suis trompé. J'ai mis
création du notable. Et donc, on va mettre rendez-vous, donc on va mettre RDV le, on va mettre un ID tout de suite, on va prendre les bonnes habitudes, donc numéro RDV, et on va mettre un champ automatique avec une clé primaire. On va mettre rendez-vous le, une date, on va mettre commentaire, champ long, texte long, où on peut raconter notre vie. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je sais pas, moi, à relancer, par exemple, oui ou non. Oui ou non, pardon. Et puis, durée du rendez-vous. On pourrait mettre date de début, date de fin, enfin, on pourrait durée du rendez-vous, mais champ numérique, voilà. Ça, c'est très bien, mais il faudrait quand même que je sache à quel client, évidemment, ce rendez-vous est lié. Donc, je vais mettre client. Et je vais mettre un texte. Et je ferme. Je l'appelle RDV. Et j'ai une table de rendez-vous. Et là, je peux mettre rendez-vous le 15-11. Commentaire vu, je sais pas moi, proposition X. À relancer, oui. Durée de rendez-vous, j'ai mis de l'euro, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, 10 minutes, on va le changer. Et puis le client XXX. Et là, je peux valider. Or, je n'ai aucun client qui s'appelle XXX. Et donc, c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le cœur de ce qu'est une base de données relationnelle. Access est un outil de SGBDR, système de gestion de base de données relationnelle. On va créer une relation entre cette zone-là et cette zone-là, ou plutôt ce code-là, d'ailleurs. Alors là, on voit que le code est unique, c'est mon code client. D'accord. Et là, j'ai mis de l'alphanumérique. Donc déjà, c'est une erreur. J'aurais dû mettre, si je veux faire un lien entre ce champ-là de ma table rendez-vous et ce champ-là de ma table client, code, il faut absolument que ce soit le même type. Donc ça, c'est du numérique, même s'il est auto-numéroté. Donc ici, je vais mettre du numérique. Il va me jeter sûrement. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que j'avais mis XXX dans un champ numérique et ça, il n'aime pas. Donc, il l'a enlevé, il l'a supprimé. D'accord? Donc, ici, je peux mettre 2 pour dire c'est lié au client 2. Mais je peux mettre 99. Il n'y a rien pour l'instant qui empêcherait de mettre un code client qui n'existe pas. Donc, on va regarder ce que c'est qu'un MCD, un modèle conceptuel de données, c'est-à-dire la relation qui existe entre les différentes tables. Et ça, vous allez le trouver dans Outils de base de données, Relations. Il nous propose les tables. On va mettre client, on va mettre RDV. Voilà mes deux tables avec mes champs. Et je vais donc dire que ce champ-là est lié à mon code. Je le tire et je le lâche. Et là, il me dit, voulez-vous appliquer l'intégrité référentielle? C'est-à-dire obliger absolument à ce que lorsque je saisis un rendez-vous, je mette un numéro d'un client qui existe. Voulez-vous mettre un jour en cascade, parce que j'aurais très bien pu par exemple le mettre sur la nom de société, et si mon nom de société change, et bien que ça change tous les rendez-vous qui sont en amont avec le nouveau nom. Et voulez-vous effacer en cascade? Ça veut dire, si j'efface un client, est-ce que j'effacerai aussi les... Alors j'ai fait dans le mauvais sens, autant pour moi, c'est dans ce sens là qu'il faut le faire. Voilà. Est-ce que si j'efface un client, j'efface aussi tous les rendez-vous qui y correspondent? D'accord? Je mets oui, je mets non, c'est comme vous voulez. On peut mettre créer oui. Alors évidemment, il faut que les tables soient fermées pour que ça marche. Je vais fermer mes tables. Pourquoi il veut pas? Eh bien parce que j'ai un 99 qui traîne. Alors attendez. Eh oui. Donc ça ne peut pas marcher, il ne peut pas me mettre l'intégrité référentielle puisque pour le coup tout de suite j'ai une anomalie entre un numéro de client 99 qui n'existe pas dans ma table client. Donc si je veux arriver à faire ma relation, il faut que je mette un numéro qui existe. On va mettre 1 pour l'instant. Cette fois-ci ça passe, j'ai une relation, je ferme et donc si je mets 99 ici ou si je saisis un nouveau rendez-vous, allons-y. Et que je mets 99,
il ne veut pas. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table client. Autrement dit, vous devez mettre un numéro de client qui existe. Donc, on a créé une relation là, réelle, entre nos clients et nos rendez-vous. Ce qui serait intéressant sur ce formulaire-là, c'est d'avoir en dessous les rendez-vous de ce client. Et là, on va faire un formulaire d'abord qui présente les rendez-vous. On va faire tout de suite un formulaire. On peut très bien ici, je me mets sur la table, je vais dans créer, je fais assistant formulaire, j'ai même ici formulaire, clac. Vous voyez, quand on a un clic, il m'a fait un formulaire rendez-vous. Le problème, c'est qu'il est de type, rappelons-nous, continue, non, il est de type, je ne me rappelle jamais du terme, format unique. Or, ce serait quand même sympa d'avoir plutôt un formulaire, parce que donc là, si je prends ça comme ça, il existe, hein, ce n'est pas le problème. J'ai déjà mes rendez-vous, mes deux rendez-vous que j'ai saisis. Ok, alors on va changer deux choses. Mon formulaire va s'appeler rendez-vous. On va surtout changer mon histoire de type, la clic droit sur ma table, mode création. Le durée du rendez-vous, j'ai mis monétaire, c'est n'importe quoi. C'est date et heure, ou non, ou numérique. Ça dure tant de minutes. Voilà. Et donc, je reviens sur mon formulaire rendez-vous. Il ne me plaît pas comme ça. J'ai envie de le mettre vraiment. Numéro de rendez-vous, d'abord, c'est beaucoup trop haut. Oh. Ah ben, voyez, il m'a fait ça. C'est pour ça que j'aime pas les trucs automatiques, il m'a tout encadré, je comprends jamais rien ça. Il m'a tout. Ouais, ils sont tenus entre eux. Ah, voilà, c'est ce truc-là. Je sais même pas comment on l'enlève. C'est un truc qui permet de maintenir tous les contrôles en un truc. Bon, ok, on va refaire un formulaire de toutes pièces, parce que ça me fatigue. Donc je vire ce formulaire. Sup. Oui. Et je vais créer vite fait un formulaire de toutes pièces. Vierge. Clic droit, mode création, source de mon formulaire, évidemment, la table RDV. Mode de formulaire, tout de suite, je passe en mode continu. Et on va mettre ici, créer quel champ. On va amener tous ces champs-là. Et bien, voilà. Et une fois qu'ils sont là, on va les retoucher un peu, le numéro, la date bien sûr, le commentaire bien sûr, à relancer, je peux le mettre là, durée ici, en dessous, pourquoi pas, et le client, pour l'instant on va le mettre là. Voilà. J'ai mes rendez-vous, d'accord? Et donc, c'est ça que je voudrais afficher en dessous de mon client sur le formulaire pour pouvoir suivre les rendez-vous d'un même client sur le même formulaire. On est d'accord? C'est très très simple. Je renomme mon formulaire RDV. Je passe en mode création de mon formulaire client. Je l'écarte. Je lui laisse la place et je vais venir prendre rendez-vous ici et le déposer tout simplement ici. Je le retaille et je vais aller voir tout de suite une fonction très importante. Clic droit, propriété. Dans données, je vais définir ici. Il l'a fait lui-même d'ailleurs, mais il s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Eh bien, il ne s'est pas trompé parce qu'on a fait la relation avant. C'est pour ça que c'est bien de les faire avant. Il a vu que le champ pair, c'est-à-dire ça, code, et là, ici, le nom de ce champ s'appelle client, le champ fils, me permet tout de suite d'avoir un lien entre le sous-formulaire, on appelle ça un sous-formulaire, puisqu'il est sous-formulaire du formulaire principal client, et il va afficher que les rendez-vous du client sur lequel je me trouve, grâce à ce petit paramètre dans données qui définit quel est le champ pair du formulaire principal et quel est le champ fils du sous-formulaire. Vous allez voir. Voilà, là j'ai le rendez-vous 1. Là j'ai test 2. Et sur le troisième, j'ai pas de rendez-vous. Si je saisis un rendez-vous tout de suite, par exemple en date du 15-2,
test le 15.2 sur RATP. Je valide. Si je fais précédent, suivant, on voit que les rendez-vous suivent. Et en plus, il vient me mettre automatiquement 3 ici parce que j'ai fait un lien, justement, champ père, champ fils. Si je tape tout de suite, il me met le bon champ ici. C'est pour ça que, quand je passe en mode création, ce champ-là, finalement, n'apporte rien puisqu'il est automatiquement géré par Access. Donc, je peux, dans format, le rendre invisible. Je peux agrandir un peu. Mon champ, mon sous-formulaire, peut-être réduire un peu ça. Et je passe en mode création. Et voilà. Je peux saisir maintenant mes rendez-vous. À relancer. Ça a duré une heure. Je valide ma ligne. Et donc, la saisie se fait automatiquement dans un sous-formulaire. Donc maintenant, j'ai deux tables qui se remplissent avec ce champ-là qui se remplit au fur et à mesure en fonction de ce que je saisis dans mon sous-formulaire. C'est une notion qui est vraiment un peu plus compliquée que simple formulaire, mais vous comprenez bien toute la puissance parce que vous pouvez très bien avoir aussi, par exemple, ici, et c'est ce que ça sera le cas sur Solo, on le verra quand on rentrera dans le vif du sujet sur Solo, des sous-formulaires qui soient les factures, qui soient les actions qui sont menées, qui soient les rendez-vous, qui soient les contacts qui sont liés à celui-là, etc., etc. Et donc le MCD, c'est-à-dire le modèle conceptuel de données, les relations qui existent entre les différentes tables, on l'a vu là avec deux petites tables, vous verrez sur Solo que ça ressemble vraiment à une toile d'araignée parce que toutes les tables ont des relations entre elles, de façon à ce qu'il y ait une homogénéité des données qui sont saisies dans les différentes tables qui concerneraient les éléments d'une autre table. Ça va être le cas, par exemple, un truc qu'on connaît bien quand on fait du développement, c'est entre la facture, l'entête, le numéro de la facture, et les lignes de facture. Bien évidemment, je vais avoir une facture avec le nom du client, qui va être attaché au client, la date, le montant hors taxe de la facture, et puis en dessous, je vais avoir un champ, une sous-table, qui sera les lignes de facture, et qui seront liés par le numéro, justement, pour pouvoir avoir autant de lignes que je veux pour une même et unique facture. C'est typiquement ce qu'on vient de faire là, avec des clients et des rendez-vous. Alors, on a vu là la création de table, la création de formulaire. Ce qu'on va voir là maintenant, c'est la génération des requêtes. La gestion des requêtes, puisque c'est une évidemment plus-value quand on fait de la base de données, c'est d'interroger nos données. Alors évidemment, ce n'est pas du tout intéressant quand on a 4 clients qui se battent en duel. Donc, je vais rapidement monter 700 nouvelles fiches. Je fais un copier-coller d'une autre base. Bon, à peu près. Donc, je suis allé chercher un fichier que j'avais, j'ai fait un copier-coller. Si les colonnes, si vous avez d'ailleurs tout de suite des tableaux Excel à monter, vous les montez, surtout que les colonnes soient dans le même sens. Voilà, lui, il s'occupe ici, vous le mettez à la fin, le code, il s'occupe de le faire lui-même. Et puis, il vous monte, comme ça, vous faites un copier-coller d'un tableau Excel directement dans Access, dans Solo, on le verra, mais surtout, là, on est en train de parler d'Access. Donc là, j'ai 726 contacts. Donc déjà, si je vais ici et que je lance mon fournisseur, je vois en dessous 726. Et donc, c'est maintenant qu'on va s'amuser à utiliser les requêtes. Les requêtes, ça sert à interroger mes données. Alors, il y a un truc déjà qui existe en Access qui est absolument génial, qui est le clic droit, qui me permet de filtrer les informations. Donc, par exemple, si je voulais tous mes clients dans le 97, je pourrais faire clic droit dans le code postal, égal à 97, différent de 97, inférieur, j'ai même commence, plus petit que... Ah non, mais ça, c'est un chiffre. Alors, j'ai mis un chiffre, donc c'est une mauvaise... Je peux faire soit un champ texte, filtre texte, contient, ne contient pas, commence par, imaginons, contient Paris. Et là, je vais avoir en bas, ici, 34 fiches qui contiennent Paris, enfin, dont la ville est égale à Paris. Donc déjà, ça me permet de filtrer. Je peux même filtrer, évidemment, en mode feuille de données et travailler sur la feuille de données elle-même. On l'a vu tout à l'heure, les différents formats d'affichage de mon formulaire.
Et pourquoi pas faire un mailing si j'avais renseigné l'emailing du emailing ou du mailing par téléphone. Donc ça permet de filtrer. Et en plus, on peut filtrer, on peut cumuler les filtres. Par exemple, CA Paris et ici, filtre texte supérieur ou plus petit que, on va faire plus petit que 1000. J'en ai 685. Alors, je n'ai pas cumulé les deux là, c'est pas possible. Donc, je recommence. Je vais dire ex filtre contient Paris 34. Et ça, je vais cumuler ça, pardon, plus petit que 1000. Voilà, parmi les 34, il y en a 28 qui sont inférieurs à 1000. Et puis, je peux mettre ici, clic droit, connu, filtre texte, cette année, par exemple. Alors, je vais prendre avoir beaucoup, mais j'en ai un, celui que j'ai saisi tout à l'heure. Ah non, rien à voir. Mais bon, c'est pour vous dire que vous pouvez filtrer comme ça directement sur vos formulaires. Mais les requêtes vont nous permettre d'interroger en mettant les paramètres avant. Je vais vous faire voir tout de suite. Donc, dans requêtes, j'en ai pas encore, je vais faire créer nouvelle requête. Et on va déjà commencer par dire quelle table je veux interroger. La table client. Et là, je peux très bien dire déjà quel champ je veux voir. Par exemple, le nom de la société, le nom du dirigeant et le code postal uniquement. Et je veux les codes postales qui... Alors, c'est dommage, j'ai pas mis un texte. J'aurais dû mettre un texte. D'abord, j'aurais dû sur un code postal parce que le code postal 01800, par exemple, ça sera 1800. Il est incapable de mettre le 0 non significatif. Donc, retenez cette info. D'ailleurs, on va le changer tout de suite. Je ne vais pas pouvoir... On va y revenir. Table. Client. Là, d'ailleurs, ça va nous faire un cas d'école sur le code postal qui est ici. Tous ceux qui commencent par 0 ont sauté. Ça, c'était 06156. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'ai mis un champ numérique, c'est une erreur. Code postal numérique, on va le remettre en texte. Ça ne va pas lui poser de problème. Il va nous remettre les chiffres dans un champ texte. Ça, c'est aucun problème. J'enregistre d'abord. Pas de souci. Il nous aligne à gauche, signe que c'est du texte. Par contre, il ne nous a pas mis les 0. Ça, c'est sûr. Ici, je vais mettre le 0 à la main. Et évidemment, j'en ai 726. Je risque d'y passer du temps. Ça va nous faire un cas d'école pour remettre. Comment je vais faire pour remettre les 0 automatiquement sur les champs des codes postales qui font que 4 caractères. Ben, c'est typiquement avec une requête qu'on va faire ça. Alors, on va d'abord voir une requête interrogation, puis on fera une requête mise à jour tout à l'heure. Donc, je retourne dans Créer requête. Je reprends ma table client, puisque c'est là-dessus que je veux travailler pour l'instant. Et donc, je voudrais, par exemple, le nom de la société, le nom du dirigeant. Je l'ai mis deux fois. Le code postal et le CA. Et je veux que les codes postaux qui commencent par 75. Ben, je peux mettre dans critères. En fait, la première ligne, c'est les champs. Deuxième ligne, c'est la table dont provient ce champ. Le tri, je peux les trier par ordre croissant, par exemple, de ou par ordre décroissant de CA, par exemple. Ensuite, c'est est-ce que j'affiche ou pas cette colonne. Les critères de filtre. Donc là, je veux comme 75 étoiles, ça veut dire commence par 75 étoiles. J'aurais très bien pu mettre 75001. Tout de suite, j'interroge, exécuter. Et là, j'ai les deux fiches qui ont 75001. D'accord ? Si je repasse et que je fais 75 étoiles, ça veut dire qu'il commence par 75. D'ailleurs, Access me met tout de suite comme. Là, je vais avoir que je fasse exécuter ou passer en mode feuille de données, ça revient exactement au même. Et là, donc, par ordre décroissant de code postaux, de chiffre d'affaires, il me donne les 35 qui commencent par 75. Je peux ensuite, d'ailleurs, les retrier A à Z ou les filtrer. Je veux, par exemple, ici, clic droit, filtre texte, plus petit que 1500. Je peux encore, à l'intérieur d'une requête, faire des filtres. La requête m'ayant permis, quand je mode en post-création, d'abord de dire quel champ je veux voir figurer, quels sont les critères en dur que je veux, et ensuite je pourrai encore filtrer à l'intérieur une fois que j'ai lancé ma requête. Alors, ici j'ai mis en dur 75, mais je pourrais très bien, par exemple ici, faire une question, c'est-à-dire plus petit, CA inférieur, inférieur ou égal à la question que je me pose. CA inférieur à, point d'interrogation.
Donc là, il va me faire un filtre, mais il ne connaît pas ça, la réponse à ça. C'est inférieur. On met entre crochets et il va me poser la question. Regardez. CA inférieur à 2000. Je donne la réponse et il fait le filtre. Là, c'est inférieur à 2000. Je repasse en mode création, je réexécute. Là, je risque d'avoir tout le monde. Voilà. D'accord? Et je pourrais mettre entre supérieur et inférieur. Et on peut très bien s'amuser à ça. Inférieur à et supérieur à. Enfin, supérieur ou égal. CA mini, point d'interrogation. Et inférieur à CA maxi, point d'interrogation. Il va me poser donc deux questions quand j'exécute. CA mini, par exemple, 100. CA maxi, 1500. Et là, il me trouve tout de suite les enregistrements de la table client qui correspondent à ces critères. Ce qui ne m'empêche pas, encore une fois, et j'ai mis 75. Ce qui ne m'empêche pas, par exemple, de dire je veux que ceux qui commencent par G, clic droit, contient G ou commence par G. Et là, je continue à filtrer au sein de ma requête. Alors, un truc très important, c'est que ça, je vais lui donner un nom. On va l'appeler, je ne sais pas moi, analyse CA. C'est le nom d'une requête. Et je peux l'exécuter en doublant, cliquant dessus. Comme j'ai mis des critères, il va me redemander à chaque fois les deux critères et il m'exécute la requête. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'une requête peut être très bien la source d'un formulaire. Et c'est là que ça prend toute la dimension. Je vais, pour comprendre ça, 75, on garde ça. Pourquoi pas. Pour l'instant, on garde ça. Allez, on garde ça. Donc, je vais créer un formulaire, créer formulaire, vierge. Et cette fois-ci, en source de mon formulaire, je ne vais pas mettre une table, mais je vais mettre analyse CA. Je vais mettre ma requête. Si je passe en création, je vais avoir les champs de cette requête. On retrouve ce qu'on a eu tout à l'heure. Je vais me les mettre. On va me dire à quoi ça sert par rapport à la table. Je vais vous faire voir à quoi ça sert. Je vais faire un formulaire continu. Évidemment, comme mon formulaire a une source qui est une requête et que dans ma requête, j'ai des questions, il va me poser les questions avant de lancer mon formulaire et il me présente. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les différences entre ça et ça? Eh bien, toujours pareil par rapport à tout à l'heure entre la table et un formulaire, c'est que ça, je peux très bien faire de la présentation. Par exemple, je vais faire n'importe quoi, mais mise en forme conditionnelle, comme on a fait tout à l'heure, nouvelle règle, expression, je veux que si CA est supérieur à 1000, alors on le passe en gras et rouge. Par exemple, donc j'ai pas mis le CA en rouge, j'ai mis les noms en rouge. J'ai fait une expression avec une mise en jeu, une mise avec une mise en forme conditionnelle, pardon. Alors l'autre avantage également d'un formulaire, d'abord c'est plus lisible parce que j'ai, vous voyez, on peut faire du blanc sur gris, on marquait dans la table aussi maintenant. L'avantage de la table, c'est que je peux régler la taille de mes colonnes. Ce n'est absolument pas le cas ici. Je ne peux pas régler la taille de mes colonnes puisque dans mon formulaire, je définis la taille de chacun des champs. D'accord ? Par contre, je peux très bien avoir envie de mettre ça en italique et en plus petit pour avoir une présentation qui est complètement différente. Vous voyez ? Et l'autre chose très importante qui peut être utile très souvent, là, j'ai une rubrique qui s'appelle « Détails ». Clic droit, je vais afficher un en-tête et un pied de formulaire. Et je vais pouvoir mettre déjà quelque chose ici pour faire joli, parce qu'on est dans du formulaire. Excusez-moi, là, on va pouvoir mettre une étiquette. Que je peux formater comme je l'entends. Et surtout, je vais pouvoir en pied de formulaire faire le cumul de mon CA en fonction des filtres.
Alors là, vous allez voir, je fais un copier-coller pour ne pas avoir à le retaper, mais copier-coller, je le mets là. Et on a vu précédemment dans les données qu'on avait la source. Ça, c'est le CA qui provient de ma table, en l'occurrence de ma requête. Mais là, je vais faire une formule égale, on l'a vu dans une, un petit peu précédemment, qu'on pouvait faire une formule de calcul. Et là, je peux faire somme de CA. Et donc là, ça va m'afficher la somme en bas de mes fiches. Et si je filtre en disant par exemple je veux que les G, clic droit commence par G, évidemment mon total là est le total des lignes affichées. Et alors là, ça prend une dimension bien évidemment beaucoup plus importante. On ne peut pas faire ça dans une requête. Je n'ai pas la somme dans une requête, nulle part. A contrario, l'Excel où il me suffit de noircir la colonne pour avoir en bas à droite le total de cette colonne, là c'est pas du tout le cas. Donc on va se servir des formulaires pour afficher des cumuls, des moyennes, des écarts-types, etc., etc. Je défiltre. Vous avez vu que là, c'était filtré. En amont, c'est filtré toujours par les critères de ma requête, plus de 100, moins de 1500. Par contre, ici, si je dis, par exemple, fini par 2, clic droit, se termine par 2, je n'ai que ceux qui terminent par 2, et là, je peux défiltrer, c'est vrai toujours, pour récupérer, attention, entre 100 et 1500, puisque c'est ce que j'avais renseigné au lancement de ma requête, d'accord. Alors on va s'amuser à regarder d'autres choses. Ce truc là on va l'appeler analyse CA, c'est le nom de mon formulaire. Maintenant que j'ai un formulaire qui s'appelle analyse CA, il est basé sur ma requête, je peux double cliquer dessus, ça me demande mes deux critères, parfait. Mais je pourrais très bien envie maintenant d'avoir un menu qui me lance mes clients et qui me lance mon analyse CA. Comment on va faire ça? On va créer un formulaire de toutes pièces qu'on va appeler menu, création formulaire, vierge, clic droit mode création, et on va faire un bouton qui ouvre client et l'autre qui lance analyse CA. Très simplement, créer, création, bouton, je mets mon bouton, et là, opération sur formulaire, ouvrir un formulaire, suivant, lequel client, suivant, ouvrir le formulaire. Ici, je pourrais très bien aller choisir une icône, un dessin sur mon bouton ou mettre le texte. Je lui donne un nom ou pas. Moi, j'aime bien lui donner des noms. J'ai un premier bouton. Je prends bouton, deuxième bouton, ouvrir formulaire, analyse CA. C'est pour donner un nom à mes codes, hein, parce que derrière il y a un petit bout de code, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, ça je le fais propre. Éventuellement, je prends une étiquette que j'appelle menu. Je lui change un peu sa police. Je fais un truc sympa. Je cadre mon formulaire au nombre de boutons et à la place que je veux qu'il prenne. Je mets un coup de disquette ici pour enregistrer mon formulaire. Je vais l'appeler menu. Je fais OK. Et maintenant, j'ai un formulaire. Ça s'ouvre comme ça. On va enlever les boutons de, on a vu tout à l'heure, les boutons de déplacement. On va enlever ce qu'on appelle ici à gauche le sélecteur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'enregistrement, je n'ai pas de table, je n'ai pas de requête en source de ce formulaire. Et puis, je vais corriger ma faute d'orthographe. Ça sera pas plus mal. Menu général. Double clic ici en haut à gauche, on s'en rappelle, ça vient dans les feuilles de propriété. Ici, dans les données, j'ai pas besoin de... Attendez, c'est dans format, je ne sais jamais. Barre de défilement, j'en ai aucune. Ensuite, bouton déplacement, j'en ai pas besoin. Afficher l'extérieur, j'en ai pas besoin. Est-ce que je veux qu'il soit dimensionnable ou pas? Pas forcément. Donc je vais mettre très, très simple. Et là, il va prendre exactement la forme que je lui donne là maintenant. Voilà, je ne peux plus le dimensionner. C'est beaucoup plus propre. Fichier client, ça m'ouvre mon fichier client. Fichier analyse, ça me pose la question et ça m'ouvre ma requête, ça m'exécute ma requête et ça m'ouvre le formulaire qui est lié à la requête.
Alors, on a déjà pratiquement une petite application là, puisqu'on a un menu général et deux formulaires avec une petite requête. D'accord ? Alors, ce que je trouve pénible, par exemple ici, c'est qu'il me pose la question comme ça. C'est sympa, mais en même temps, d'abord d'une, je ne peux pas marquer en haut « Analyse des CA de mes clients entre 100 et 1500 » puisque je l'ai stocké nulle part. Et c'est surtout qu'il faut que je le saisisse à chaque coup. Même si je fais de 0 à 1 million, chaque fois que je vais vouloir ouvrir ce formulaire, il va me demander de 0 à 1 million. À chaque fois, il faut que je le renseigne. D'accord ? Alors, ce qui serait sympa, c'est qu'on ait deux zones qui nous permettent de mettre eh ben, CA minimum, CA maximum. Et ça, je pourrais très bien le mettre sur mon menu principal. Comment je vais m'y prendre ? C'est tout très très simple. Et là, on va commencer à un petit peu évoluer dans l'application. Je vais sur mon menu créer deux champs. Un CA minimum. Donc là, c'est mon CA mini. Et ici, je vais lui donner un nom. Ça, c'est là que je vais remplir la donnée. Donc, le nom de mon contrôle, ça sera par exemple CA mini. Attention. CA mini, on va le mettre CA underscore mini. On écrit bien. D'accord. Hop. Zut. Voilà. Et je vais faire un copier-coller. CA maxi. Comprenez bien que ça, c'est l'étiquette, hein, c'est ce qui est affiché sur mon formulaire. Et ça, c'est le nom de mon contrôle. La source de ce contrôle est nulle. C'est-à-dire qu'il va falloir que je remplisse quelque chose dedans. Par exemple, 0. Par exemple, 100. Et je voudrais que quand j'analyse ma CA, il ne me pose pas la question, mais qu'il aille me chercher ce que j'ai mis là et ce que j'ai mis là. En plus, ici, dans données, je peux mettre une valeur par défaut. 0 pour le mini. Et imaginons 15 millions pour le maxi. Donc ça, c'est des propriétés. Je vous laisse les découvrir. Il y en a énormément. Valeur par défaut. Là, quand je vais ouvrir mon formulaire, 0. Alors, c'est parce que pourquoi on recommence, on le ferme, on le rouvre. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi maxi, il n'en veut pas. Valide si, c'est n'importe quoi, je me suis trompé de zone. C'est valeur par défaut. Décidément. Valeur par défaut, 15 millions. Ben non, ça, ça ne me pose pas de problème. Donc. On va dire que c'est du standard, en format. Il n'aime pas mon 15 millions. Comment ça se fait, ça? Il y a une raison à tout. Quand vous avez un problème comme ça, cherchez jusqu'à ce que Morse en suive. Il y a une raison à tout dans Solo, dans Access, pardon. Donc pourquoi ce champ-là, CA Maxi, il a décidé valeur par défaut? Peut-être parce que c'est trop gros. J'y crois pas une seconde. Incroyable. On va le fermer, on va le rouvrir. Voilà, beaucoup mieux. Donc on a un truc qui s'appelle CA underscore mini, CA underscore maxi, et ils sont où ces champs-là? Ces deux contrôles sont sur le menu, le formulaire qui s'appelle menu. Donc je vais retourner dans ma requête. Je vais modifier ma requête. D'accord? Et ici, entre crochets, ça posait la question. Et là, je veux qu'il aille chercher cette donnée-là et cette donnée-là, d'accord ? Eh bien, cette donnée-là fait référence à un contrôle. Et en fait, on va taper forms, vous allez voir qu'il va le transformer en forme, formulaire, le nom du formulaire, point d'exclamation, le nom du contrôle, CA mini, et inférieur à formulaire, comment il s'appelle mon formulaire ? Menu, et mon contrôle, CA maxi. Alors vous voyez, il me remet, ah non, des fois il remet formulaire, ça dépend des versions d'Access. Ici, il aurait pu me remettre formulaire. Il préfère Forms, il me met bien les crochets, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Et là, automatiquement, quand j'exécute ma requête, j'ai dû me tromper quelque part. Non. Non. C'est un mini. Oui, regardez, là, j'ai pas mis mini. Il faut faire très attention parce qu'il n'y a même pas de message d'erreur. Voilà. Tout de suite, alors on va essayer. Imaginons que je veuille que les chiffres d'affaires qui soient à zéro. J'en ai pas. Bizarre.
Donc de 0 à 500, analyse CA, et voilà. Pardon, là j'ai mis 5000, donc celui-là il sort. Si je mets 1000, voilà, j'ai que ceux qui sont inférieurs à 1000. Et j'en ai quand même à 0. Donc je suis étonné qu'ils ne me mettent pas si je fais 0 à 0. Ah, parce que j'ai mis strictement. Alors c'est là qu'il faut faire très attention. Si je mets 0, là j'ai supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal. Parce que sinon c'est strictement. Donc si vous voulez faire quelque chose bien et que vous voulez tous les chiffres d'affaires à 0, voilà, là j'ai les 18 fiches dont le chiffre d'affaires est à 0. Et si je veux CA mini 1000, 2000, voilà. Et là je peux commencer à m'amuser à lancer une requête qui est la source d'un formulaire et qui va automatiquement présenter les données que j'ai envie sans avoir à, enfin avec une ergonomie, on va dire, une grille de saisie beaucoup plus intelligente que si j'avais à chaque fois l'obligation de rentrer les choses. Et surtout, quand je lance mon appli, donc quand je lance mon menu, une fourchette déjà prédéfinie, ce qui m'abroge de renseigner quoi que ce soit, puisque j'ai déjà les deux grandes fourchettes qui me permettent de tout présenter. D'accord ? Donc on voit que là, ben, c'est nos limites, hein, c'est en fonction des informations que vous avez à gérer, que vous allez pouvoir comme ça faire un menu qui va vous ouvrir des fiches qui vont permettre de saisir des informations, de saisir des sous-informations si on va dans des sous-formulaires, et de les présenter de façon diverse et variée, soit sous forme de formulaire, avec des totaux comme j'ai fait là, toujours pareil, hein, on n'oublie pas que la présentation provient des contrôles et donc des feuilles de propriété qu'il y a sur chaque contrôle. Là, si je veux remettre ça, imaginons en euros, en monétaire, il va me le séparer tous les 1000, il va me mettre le sigle euro. Voilà, c'est beaucoup plus propre, d'accord. Donc c'est là qu'il faut travailler sur tout ce qui est ergonomie, présentation de vos différents champs, de vos différentes tables, de vos différents contrôles. Juste pour conclure là-dessus, avant qu'on passe aux états, c'est que comment je fais pour lancer ce menu automatiquement? Parce que regardez, si je ferme cette base de données et que je l'ouvre, elle s'appelle test, je n'ai pas mon menu qui s'ouvre. Il faut que j'appuie sur menu ici. Eh bien, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Je vais faire une petite macro. Alors, je ne sais même pas où elles sont, mes macros d'ailleurs. Tellement je ne m'en sers pas. Pourquoi elles ne sont pas là? Macro. Bon, créer une macro. On a ça là quelque part. Je m'en sers tellement. Pourquoi j'ai pas mes macros? Macro là, pardon, excusez-moi. Et là, créer macro, je vais faire ajouter une option. Alors, je m'en sers jamais, donc on va faire ouvrir formulaire. Je crois que ça existe quelque part. Ouvrir formulaire. Ce formulaire s'appelle menu. Et c'est à peu près tout. Je referme. Et pour qu'elle s'exécute au lancement de ma base de données, la seule chose à faire, c'est de l'appeler auto-exec. Auto-exec, la macro qui se lance automatiquement à l'ouverture de ma base de données. Je la referme. Je l'ouvre. Et là, il m'ouvre mon menu. Ce qui veut dire que là, ça y est, j'ai une application. Je vous fais voir. Il suffirait de faire un raccourci sur mon bureau vers cette base de données pour que tout de suite, on en arrive ici. Je vous fais une démonstration. Par contre, je ne sais pas où je l'ai stocké. Où est-ce que je l'ai stocké? J'en sais, il fiche rien. Dans Documents. Donc, je ferme. Je vais dans Documents. Elle est là. Je fais un raccourci sur mon bureau. Faut que je la trouve. Elle est là. Je lui donne un nom. Éventuellement, je change l'icône. Je double-clique dessus. Ça lance Access. Et ça lance l'auto-exec. Et voilà mon application. Pour peu que j'ai pris soin de fermer mes onglets là, dont j'ai pas besoin, pas toujours, ça dépend, c'est vous qui voyez. Et j'ai mon application qui me permet là déjà de travailler. Voilà une application faite en moins d'une heure sous Access. J'espère que ce début vous a été profitable. On va regarder vite fait quand même, je vous avais promis de regarder aussi le dernier point qui concerne les états.
Les états étant donc, en gros, ça fonctionne comme les formulaires, sauf que ça a vocation à être imprimé. Je m'explique. Quand je suis sur cette fiche client et que je le passe en impression, aperçu avant impression, c'est là, donc c'est là, j'obtiens ça. C'est-à-dire, globalement, mon formulaire, pour peu qu'il soit trop large, vous voyez, il sort de mon cadre, etc. Donc, c'est pas très joli. En plus, si j'ai mis des fonds, etc., ça va me bouffer la moitié de mes cartouches. Donc, l'idée de faire un état, c'est vraiment de faire un formulaire qui s'imprime. C'est exactement ça. D'ailleurs, bien souvent, on fait des formulaires qui s'impriment. Je l'explique, quand je vois là, si je fais ça, voilà. Globalement, si je passe en aperçu, c'est assez correct. Donc, faire un état, ça serait tout simplement proposer, on va le voir avec des fonctions un petit peu plus importantes en termes de sous-totaux. Par exemple, on peut faire des sous-totaux dans un état, ce qu'on ne peut pas faire dans un formulaire. Mais globalement, si mon formulaire tient dans une page A4, autant imprimer directement le formulaire. Si maintenant mon formulaire ne tient pas dans une page A4, ça vaut le coup. Exactement comme on l'a fait pour tout à l'heure, ce formulaire-là, justement, analyse de mon CA, le CA de mes clients, qui provient d'une requête, c'est de faire un état qui provient d'une requête et qui va imprimer que les éléments dont on a besoin. D'ailleurs, pour aller plus vite, je vais prendre mon formulaire, clic analyse CA, clic droit, enregistrer sous. Non, alors c'est pas comme ça, je l'ouvre d'abord, pardon. Ça, c'est moins pratique qu'avant, je trouve. Fichier, enregistrer sous. Enregistrer l'objet sous. Et là, je croyais que je pouvais l'enregistrer en état directement. Non, c'est pas le cas. Ça m'étonne. Eh bien non, c'est pas là. Je croyais qu'un formulaire, on pouvait l'enregistrer directement en état. Ah non, je sais comment faut faire, pardon. Si vous voulez dupliquer un formulaire en état, il faut faire copier-coller. CTRL-C et CTRL-V. Eh ben non, d'habitude. Merde alors. J'en reviens pas, qui me demande pas. Non. Alors je suis très surpris. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on crée un état. Bon, c'est pas grave, on va créer un état. Allons-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier là la source, analyse CA, créer état. Il est où mon état? État, ici, toujours pareil, un peu comme donc on va faire état vide. Je passe en mode création, je double-clique là, je prends analyse CA, éventuellement je reprends ça, copier, je le colle dans détail, coller, ça m'évite de tout refaire. Le titre, copier, coller, voilà. Alors l'état, lui, il est automatiquement en mode continu. Hein. C'est-à-dire qu'il va afficher de toute façon les enregistrements les uns après les autres. Je peux même prendre le total, copier, je le copie, alors pas en bas de page. Il faut créer un bas de rapport. Mince. Ah bah là j'ai fait n'importe quoi. Copier, coller, voilà. Je fais attention que ce soit, si je veux que ça tienne dans un 21-29-7, inférieur à 19 cm, disons. Et voilà mon état qui tout de suite, lui, passe en impression. Autant tout à l'heure, on passait par le formulaire et puis on le rendait en impression. L'avantage, je vais vous faire voir, moi pourquoi je préfère faire des états, des formulaires qui s'impriment. C'est que si je décide ici dans mon formulaire de le trier par ordre alphabétique, quand je vais l'imprimer après, ça sort de la page, mais on s'en fiche pour l'instant, il est trié. Alors que dans un état, c'est vous qui déterminez à l'avance la façon dont vous voulez qu'il soit trié. Donc là, il est trié par ordre, je ne sais pas de quoi d'ailleurs. C'est comme la requête, logiquement, c'était par ordre décroissant de chiffre d'affaires. Mais dans un état, ça fait partie des fonctionnalités d'un état, c'est qu'on va pouvoir, clic droit, trier, regrouper, c'est en bas d'ailleurs, on le voit ici, je peux ajouter un tri et dire que je vais les trier par ordre de nom de société, par exemple. Voilà. J'aurais très bien pu les mettre par ordre de CA.
en allant du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Par ordre décroissant. Voilà. Ça va être écrit par ordre décroissant. Alors, l'autre avantage, c'est, comme je vous avais dit, et en fait, pour moi, c'est le seul, si on a affaire évidemment à des formulaires qu'on pourrait interroger, trier, filtrer en amont pour pouvoir les présenter, c'est les sous-totaux. Par exemple, je pourrais très bien les trier par ordre de code postal. Valeur entière, je pourrais très bien dire premier caractère, par premier caractère, et je vais prendre les deux, par les deux premiers caractères. Alors, il me le propose même là. Donc, là, on est par ordre de code postaux, les 75. Alors, j'ai mis des critères, non. Pourquoi j'ai que du 75? J'en sais rien. Pourquoi j'ai que du 75? On n'a pas mis que du 75. Notre analyse, je retourne dans ma requête, on a mis 75 quelque part? Ah oui. Dans la requête, il n'y avait que 75, donc j'enlève. Donc là, j'ai par ordre de code postaux. Voilà, ça commence par, je vous avais promis, alors c'est pas ordre décroissant. On va les faire par ordre croissant. De Z en haut, de A à Z. Et là, on va avoir un problème. Il y a ceux qui n'ont pas de code postaux, les premiers clients qui n'ont pas de code postaux du tout. Et puis plus loin, voilà, on va avoir les 1, les 2, les 3, etc. Et mon problème, c'est que je n'ai pas les 0. C'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Puisqu'on a changé notre champ numérique en champ alphanumérique et que les 0 non significatifs n'ont pas été pris en compte. Donc comment je vais faire pour rajouter les 0? On va le faire. Petit cas d'école qui peut arriver à tout moment. Je vais faire une requête. Donc je retourne dans mes requêtes. Créer. Requête. Je vais prendre mes clients. Je vais prendre mes codes postaux. Et je vais prendre ici une valeur. X deux points. Je veux que ce soit la longueur de mon code postal. Donc c'est une fonction qui s'appelle len, ou longueur, ou nombre de digits. On va voir en quoi. Le nom de mon champ, les noms de champ entre crochets, surtout quand il y a des espaces. Si j'exécute cette requête, j'ai ici 5, ici 5, ici 0, 1, etc. Et je vais avoir ceux qui en ont 4, ceux-là. Alors je pourrais prendre égal tous ceux qui sont égaux à 4. J'en ai 44 et mettre un 0 devant, à la main, puisque c'est ceux-là où le 0 n'a pas été pris. Ça va me demander 44 fois 20 secondes au secours. Donc, il y a plusieurs formes de requêtes. Nous, on n'a vu que des requêtes de type sélection. C'est-à-dire que j'interroge ma base de données, mes différentes tables. Et en réalité, il y a d'autres formes de requêtes quand je suis en création. Il y a une requête, par exemple, mise à jour. Et donc, je veux que ma longueur de code postal, en critère, soit égale à 4. Je vais un peu vite, mais ma sélection, si je retourne, voilà. J'ai dit que je voulais que les codes postaux qui font 4 caractères. Comment je suis arrivé à ça? Nombre de caractères, de quoi? De code postal, et en critère 4. D'accord? Et maintenant, je vais faire une requête mise à jour. Et je vais dire en mise à jour que je veux rajouter un 0 devant. 0, entre crochets, entre guillemets, pardon, et quoi? Et code postal. Et j'exécute cette requête. Attention, une seule fois. De toute façon, après, il n'y aura plus. Si je repasse maintenant en mode sélection, il n'y a plus rien puisque tout est passé à 5. Puisque maintenant, je vais avoir ici. Alors, attendez. Si je fais analyse CA, ou même si je fais d'ailleurs fichier client, ah, sauf que je ne les ai pas mis. Donc, je vais aller dans ma table client. Je vois que dans code postal, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Maintenant, je dois avoir des trucs qui commencent par 0. Voilà, ici 0. Et il suffit de les trier par ordre croissant. Et voilà, les 40. Si je fais clic droit, commence par 0, je retrouve mes 44. Non, il y en avait 47. 47, ah oui, il y avait deux où il n'y avait rien. 47 champs qui commencent par 0. Un code postal qui commence par 0. Tout ça, pourquoi? Pour maintenant revenir sur mon état, ici, analyse, où je voulais faire un sous-total, pourquoi pas, du chiffre d'affaires par département, puisque les deux caractères de gauche de mon code postal sont les départements. Donc là, il m'a mis code postal 1, trié par ordre, oui. Alors, tout à l'heure, j'ai mis 2, mais je ne sais pas où il est, on va voir si ça marche.
Et je vais donc ajouter un groupe et on va faire un pied de groupe sans Toto, avec Toto. Pied de groupe, code postal. Je prends mon total, CTRL-C, CTRL-V. Je viens le mettre en dessous là. Et donc je vais avoir un sous-total. On va voir, je ne suis pas sûr qu'il y joue par département là. Il va sûrement, non. Il va sûrement nous faire l'histoire par code postaux, voyons. Donc là, il y a un sous-total de ceux qui n'ont rien. Ah si, c'est bon. Il nous a pris que les deux caractères de gauche, grâce à ce qu'il y avait tout à l'heure. Là, il y a le 0,1 avec le sous-total 0,1. Là, il y a le 0,2 avec le sous-total 0,2. 0,3, il n'y a qu'une occurrence. 0,3, 0,4, etc. Et donc ça, par contre, il n'y a vraiment que dans un état qu'on peut le faire. Sinon, dans un formulaire, on va être obligé de le faire des filtres pour avoir le sous-total, comme on l'a fait tout à l'heure, avec un clic droit, je veux d'abord le 0,1, je veux d'abord le 0,2, que là, je vais avoir un état bien fichu avec des sous-totaux. Et toujours pareil, à vocation d'être imprimé, d'où une feuille A4. Je peux très bien, effectivement, par la mise en page, régler le faire en paysage, le faire sans portrait, le faire sur plusieurs colonnes. Ça a vraiment vocation à être imprimé, à la différence d'un formulaire. Je comprenais bien ça. Alors, si je voulais lancer cet état à partir de mon menu, il me suffirait sur mon menu, clic droit mode création, en dessous, de créer un nouveau bouton, créer bouton, et là je vais faire sur état, ouvrir l'état, je vais faire l'aperçu plutôt, analyse, il n'y en a qu'un, je peux mettre l'icône là, pourquoi pas, allez. Analyse, ou je le laisse comme ça, ça n'a pas trop d'importance. Il m'a fait mon bouton. Là, j'ai préféré laisser une icône. Je clique dessus et ça me lance mon état, tout simplement. Après, clic droit imprimé. C'est vraiment à vocation d'être imprimé. On est bien d'accord avec mon sous-total. Alors, si je voulais pas les blancs, par exemple, comment je ferais? Alors, c'est une bonne question, ça. Parce que si je voulais pas les blancs et que je veux conserver les blancs, c'est-à-dire les clients qui n'ont pas de code postaux dans mon analyse CA là, de mes clients, ça veut dire qu'il me faut deux requêtes, une en source de mon formulaire et une en source de mon état. Alors, je vais vous faire voir quelque chose qui peut vous faire gagner un temps phénoménal. Pardon, c'est pas là. C'est dans mon état, tout à l'heure, on a vu que la source, c'était analyse CA. Retournons sur analyse CA. Vérifions ce que ça donne. Et là, j'ai bien les blancs. Et modifions cette requête. Par exemple, code postal différent de nul. Donc là, je suis en train de différencier supérieur, inférieur. Différent de nul ou est pas nul. J'exécute. Là, j'ai pas les nuls. J'en ai plus 448. Et si je fais trier par ordre croissant, je n'ai pas les nuls. D'accord? Mais je vais, si je valide ça, je vais avoir modifié ma requête analyse, donc aussi la source de mon formulaire que j'interrogeais tout à l'heure. Alors, ce qui peut vous faire gagner du temps, c'est de passer clic droit ici, mode SQL, et là, c'est l'interprétation dans un langage qui s'appelle SQL de ma requête. Je fais copier ce truc, copier, je la ferme, je ne sauvegarde pas, et en source de mon état, au lieu de mettre le nom de la requête, je fais coller, je colle directement la clause SQL, le contenu de la clause SQL de ma requête. Et là, donc, je vais avoir une source de mon formulaire qui continue à avoir ceux qui n'ont rien là. Donc, il y en a 725, on le voit en bas. Et dans mon état, je n'ai que ceux, on le voit, il n'y a plus les blancs, que ceux qui ont le code postal de renseigner. Et quand vous allez passer en mode création de votre formulaire, de votre état, double-clic, en haut, je vois ma clause SELECT. Il suffit pour le modifier d'appuyer sur les trois petits points à droite. Ça me rouvre ma requête. Et par exemple, qu'est-ce que je pourrais changer? Je ne sais pas moi. Je peux rajouter encore un autre truc. Nom de société, je ne sais pas moi, inférieur à L. C'est-à-dire que les premières lettres de l'alphabet. Je fais oui, ça change la clause. Et là, j'ai plus que des noms de sociétés qui sont inférieurs à elle. Donc je peux avoir une source plus compliquée, enfin, quelle qu'elle soit,
Moi, je vous invite, si vous pouvez, si vous avez des requêtes pas trop compliquées, de les mettre directement en source de vos états, de vos formulaires. D'abord parce que vous pouvez les retrouver d'un clic ici, et parce que ça vous évite d'avoir trop d'objets. Une fois qu'on en est là, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les requêtes qui sont la source de tous mes états ou de tous mes formulaires. Quand je dis formulaire, c'est exactement la même chose. Ceci dit, je vais vous faire voir un truc. Je lance mon analyse ici. Clic droit, mode création. Okay. On a vu que la source, c'était analyse CA. Je vais là, je passe en mode SQL, je fais copier, je referme, je colle ici en source, je ferme, je peux supprimer ma requête. Je n'en ai plus besoin. Pourquoi? Parce que j'ai mis la clause SQL directement en source de mon formulaire. Donc ça m'évite d'avoir des requêtes et des requêtes et des requêtes. Et pour savoir ce que j'ai au bout, clic droit, mode création, je vais dans la source et je clique sur les trois petits points et je retrouve ma requête spécifique à mon état ou à mon formulaire, en l'occurrence ici, le formulaire. D'accord? Ça vous évite d'avoir trop de requêtes. Voilà, un petit tour rapide de ce qu'on peut faire avec Access. On va passer dans la vidéo d'après sur la façon dont Solo, le logiciel Solo, le RP Solo, le CRM Solo a été construit, d'accord, sur les bases élémentaires de ce que je viens de vous expliquer. Il n'y a pas beaucoup de choses de plus à savoir en théorie. Vous allez voir qu'en pratique, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, puisque ce que vous allez voir sur Solo est la substance moelle de tout ce que je viens de vous expliquer en termes de générateur de table, création de table, création d'état, de formulaire, de requête, et bien sûr, on va le voir aussi, beaucoup de modules. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Solo ou sur Access. Bye bye tout le monde.